Aujourd'hui dans cette vidéo les gars, je vais jouer avec une résolution interdite sur Fortnite. Tout simplement parce que tous les joueurs pro la jouent. Il y a des gens qui ont gagné de l'argent grâce à cette résolution. Vous allez voir, vous allez devenir trop fort, vous allez louper 0 balle. Avant que la vidéo commence, je tiens à remercier les 10 derniers abonnés. Si toi aussi tu veux passer à l'écran dans une prochaine vidéo mon frérot, t'as juste à t'abonner. Et on n'oublie pas de mettre mon code créateur, boutique d'objets, soutenir un créateur, ITXO, ITIXXO. N'hésitez pas à m'envoyer des petites preuves sur les réseaux, ça me ferait vraiment plaisir et peut-être je vous suivrai en retour. Et let's go, on est tout de suite parti pour tester tout ça. Du coup j'ai lancé la map de Rider un peu pour prendre la main sur la résolution parce que j'ai jamais joué avec et j'adore clairement. En plus j'ai l'impression que ça optimise mon PC, que j'ai moins de latence et que je suis plus fluide. Tu remarques sûrement qu'on n'est pas sur la même résolution que Fortnite et que le jeu est un peu plus étiré. Pour ceux qui veulent savoir, la résolution c'est 1680x1050. Alors j'en ai pas mis une abusée parce que pour ceux qui sont au courant, au chapitre 1, Fortnite avait patch les résolutions étirées. Parce qu'à l'époque c'était vraiment très fort. Et à certaines résolutions étirées, quand c'est vraiment énervé, bah en fait le jeu il est injouable et c'est beaucoup trop zoomé. Mais en tout cas là j'adore, du coup on va tout de suite aller en réalistique tester ça contre un vrai joueur et après on ira en game. Ok let's go les gars, du coup c'est bon, on est en réalistique. J'ai les mains gelées, hein. C'est injouable, où est-ce qu'il est ? Oh là là, ce que je lui ai mis. C'est violent. Normalement, en plus, les résolutions étirées, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus souvent pour les manettes, mais là, ça va, ça me correspond bien. Et c'est très fort, parce que, je sais pas si vous le remarquez, mais le skin est clairement plus gros, et c'est beaucoup plus facile pour mettre ses balles. Ouais. Exactement, ouais. Qu'est-ce qu'il fait, crack? Je comprends pas ses moves, hein. Il joue bien aléatoirement, en plus, ça doit être un français. Il a mis M8 devant son pseudo. Va là-bas. Mort. J'ai vraiment aucune difficulté, genre, c'est trop facile. Allez, let's go, dernière manche. Pourquoi je spawn aussi bas? Ah oui, toi t'es pas très futé. Encore? Allez, au lobby. Let's go en game. Ok, c'est bon, on est en game. Du coup, j'ai fait un petit lazy. Je vois qu'il y a du monde qui a spawn en plus. Oula, lui, il a loupé son spawn déjà. Je vais essayer de le shoot. Après avoir fait le tour du monde! Oh, il est vraiment perché. Allez, premier kill, ça régale. La grosse popo, parfait. Je commence vraiment à plus aimer jouer en résolution éthérée que normal. Parce que vraiment, voir les gens plus gros, c'est pas mal. Voir les ennemis beaucoup plus gros, c'est tellement mieux pour être plus précis. Bon, bien évidemment, quand on met aussi une résolution différente que celle qu'on a d'habitude, la sensibilité est modifiée. Bah, pas dans vos paramètres, mais vous allez vous y habituer plutôt vite, vous inquiétez pas. Et vraiment, c'est dommage qu'il n'y ait pas les résolutions sur Play, hein, parce que ça pourrait être vraiment bien. Déjà, d'un côté, bah, ça pourrait optimiser la console, et bah, ils pourraient faire comme nous aussi. Je sais qu'il y a des écrans, ils font ça. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la ville. Bah voilà, il est en bas. Je vais essayer de lui mettre une balle de silex. Mon 90. Bon, j'ai un peu décollé. Va là-bas. Let's go. Deuxième kill de récupérer. Je me mets le bush. Oh, la gourde du brave. Ouais, je vais pas me la prendre pour si peu d'HP. Hein. Je vais même pas prendre d'air à cette game. Je vais full push. Mais je vous dis, les gars. Oh, on a la meilleure résolution possible. De toute façon, comme je vous ai dit, les gars, on est avec une résolution interdite. Hein. Vraiment, tous les gens qui jouent avec celle-ci sont devenus trop forts. Chaque personne qui joue avec ça, bah, perf en fait. Bon, je vais quand même prendre une MA40 parce que c'est très fort. C'est vraiment une arme à jouer. Hein. Ceux qui peuvent encore jouer au chapitre 1 au moment où je sors la vidéo. De toute façon, normalement, quand la vidéo sort, on est plus au chapitre 1 malheureusement. C'est bien dommage. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a certains, ils sont vraiment revenus sur le jeu juste pour la saison. J'ai vraiment envie de savoir parce que je me demande, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont fait ça? Juste la map elle peut rendre le jeu incroyable. Parce qu'en soi même le niveau des mecs en face ça me dérange pas qu'il y a des mecs bons. C'est juste la map est bien, les armes sont bien. Bon on va aller à Loot Lake, on va décoller et peut-être on verra des joueurs. Alors les gars si vous voulez un tuto pour mettre des résolutions étirées vous me le dites en commentaire, je vous en ferai un. Après si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés, bon je le ferai pas tout simplement. Mais ça peut être pas mal vraiment. Il n'y a pas un mec, on est déjà plus que 20, la game c'est grave slay en plus. Il faudrait que je trouve un meilleur pompe parce que vas-y, pompe gris, c'est drôle 5 minutes quoi. Ah, il y a un mec qui vient de prendre une faille, peut-être il va venir sur moi. A few minutes later. Là, je vois vraiment personne. Vas-y, je vais aller à Tilted, hein. Est-ce que c'est zone? Bah ouais. Carrément, même la map elle est en résolution étirée. Bon, en vrai, c'est normal, mais ça m'a fait rire quand j'ai vu. J'ai vraiment l'impression d'être dans la peau d'un mec au chapitre 1 il y a 5 ans quoi. Vraiment, tu regardais tous les joueurs PC, ils étaient comme ça. Résolution étirée, c'était vraiment une bonne époque. Même à Tilted, y'a plus personne. C'est dommage. Moi, je veux me fight, les gars. Ah, j'ai entendu des pas. Touché. C'est une dinguerie de s'échapper comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Et je comprends rien. Mais qu'est-ce que... C'est qui build? Y'a personne! Mais y'a un mec en invisible. Ah d'accord. Un mec qui avait 10 HP. Ok, y'a un autre mec par contre. Et lui, il a l'air un peu plus chaud. Crac. Là, on s'est bien mis l'eau. Moi, je vais aller me prendre la gourde du bras, vraiment. Je veux juste un autre pompe qu'un pompe chasseur gris, s'il vous plaît. L'autre, je lui aurais roulé dessus, là, le mec qui m'a mis à 25 HP. Là, il commence à avoir du monde par contre à Tilted. Je vais regarder le stuff du mec qui était là. Peut-être qu'il a des armes pour moi. Oh, je vais prendre 2 PM. C'est bon. Je vais aller prendre le drop. Ah bah, il a déjà été ouvert. Là, il me faut du shield, là. Je peux vraiment pas me fight comme ça. Bon, ça va, ça a pas été stuff ici. Hop, grosse popo. Je crois que j'entends un mec sur la montagne.
Quoi? Pardon? Mais je suis pas du tout en face de lui. Eh, c'est quoi cette game bizarre là? Je vois pas les joueurs, je me prends des balles, je les vois pas. Regarde les bâtiments, tout est cassé, tout est ouvert. Et je trouve pas de shield aussi, ça c'est pas mal. Je pense pour aller trouver des soins, faut que j'aille à Loot Lake en vif. Et après je reviens à Tilted. Vous inquiétez pas, je reviens les copains. Ah bah la gourde du brave qui m'attend. Que demander de plus, elle était là. Hop. Encore du shield, parfait, c'est ce qu'il me fallait. Retourner jouer les mecs à Tilted. J'aimerais bien retrouver un grappin, je crois que j'en avais laissé un là-bas. Ouais, je vais aller les récupérer. Ah bah non, il y en a un juste ici. On est plus que 6. La game s'est slay beaucoup trop vite. Ouah, il y avait pas ce fight là tout à l'heure. Ah oui, d'accord, ça a bien bu le fight pendant que j'étais pas là. Il y a un mec dans ce bat avec une Scar aussi. C'est pas mal. On va le jouer. Oh, je l'avais box. Touché 10. Elle était pas mal la balle de pompe là. Pourquoi il fait que de courir? Tu peux te fight aussi? C'est fait pour ça le jeu hein. Et il court, il a peur. On est même pas en enquête. Non, il est pas tombé de chute quand. Je pense qu'il était low en HP. Vraiment, c'est pas très haut hein. Après, je sais pas comment il s'est débrouillé, mais en tout cas, merci pour le stuff frérot. Là, c'est bon là. J'ai ce qu'il faut pour me fight. La petite Scar légendaire qui régale, hein, vraiment. Ce serait cool qu'il reste des gens dans Tilted. Tout à l'heure ici, il y avait 4 personnes au moins. Là, il y a plus personne, tu vas me dire. Après, c'est sûr que 4 personnes dans cette grosse zone, qui est énorme, hein, on va pas se le cacher. C'est compliqué à trouver. Il y a sûrement au moins 2 mecs qui doivent camper. Eh ben, regardez, qu'est-ce que je vois. Un avion. On va le prendre et on va chercher de l'ennemi. Hein. Ah, ça se fight. Let's go. On y va. Ah bah, c'est juste en dessous, là. Ils butent même pas, les pauvres. Ah, je l'ai hit. Il est blanc. Qu'est-ce qu'il fait? Mort. Il est où l'autre? Mort. Allez, plus qu'un. Les gars, le top 1 avec la résolution étirée première game, vraiment là? Ça serait incroyable. En plus, l'autre, je l'entends arriver. Il sait que c'est du 1v1, donc il se ramène. J'ai l'impression qu'il sait un peu plus jouer que les deux autres. Ouais, clairement. Il sait clairement jouer. Touché 36. On va lui mettre la pression, hein. Ouais, bon, je sais pas s'il est très bon en fait. Oula. Crac, un HP, mort. Top 1. Bah voilà les gars, je vous ai dit. C'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos sur les résolutions étirées, il n'y a pas de problème. Peut-être que je peux vous en montrer d'autres qui sont beaucoup plus fortes que ça. Chacune ayant une particularité. Et si vous voulez le tuto, comme je vous ai dit, vous me dites en commentaire. Si je vois que la vidéo vous plaît, je le ferai. Et puis voilà. Allez, bye bye les gars.